Retour sur le plateau du journal du Tour cycliste de Guadeloupe, 69e édition. C'est la 5e étape qui nous intéresse aujourd'hui entre Sainte-Rose et Sainte-Anne. En retour plateau, eh bien, c'est la saison 3 de On d'autres coups de chaîne qu'on retrouve avec la parole qui est donnée aux enfants, aux supporters en herbe. Comment tu t'appelles? Gan Kélian. Mathieu. Mathias. Je m'appelle Madina. Quel âge as-tu? 15 ans. J'ai 11 ans. 11 ans. Tu aimes le cyclisme? Oui. Qu'est-ce que tu aimes dans le cyclisme particulièrement? Dis-moi, raconte-moi ce que tu aimes. Ce que tu aimes voir. Les cyclistes. J'aime bien les voir. La course, quand ils montent vite, la montée, quand ils montent les montagnes, tout ça. Pour les efforts et aussi pour l'ambiance. Elle est bonne l'ambiance cette année? Ouais, très bonne. Je sais que tu supportes l'Espoir du Sud, c'est vrai? Oui. Est-ce que tu es un cycliste que tu supportes particulièrement? Ouais, un peu. Le maillot jaune, j'en ai pas parce que moi je supporte toute la Guadeloupe et toute la France aussi. Le maillot bleu. Anaël Mathias. En fait, tu aimes tous les porteurs de maillot? Non. Tu aimes toute la caravane alors? Non. Ah, tu aimes qui alors? Ben juste les derniers et les avant-derniers. Quand tu le vois, comment tu l'encourages? Il le dit allez nanou. Allez, bye force. Allez nanou? Oui. Pourquoi nanou? Ben je crie et je siffle. C'est un tissu non? Ben je crie fort pour les encourager. Il le dit allez nanou, allez. Tu fais allez. Est-ce que tu cours après lui? Oui, deux fois oui. Ah ouais? Comment oui. Tu fais? Montre-moi. Je cours. Le coup, comme ça. Allez. La caravane publicitaire aussi? Ouais. Tu arrives à avoir des cadeaux de temps en temps? Ouais, j'en ai deux fois. Et quand tu n'en as pas, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis, je m'en fous d'eux. Retrouver d'autres demain tout aussi drôle dans en d'autres coups de chaîne, la parole aux supporters en herbe. Franchement, ils sont sympas. Oui, et puis ils sont francs, ils sont naturels et c'est vrai que ça fait plaisir à entendre. En tout cas, ils sont déjà intéressés, passionnés par le cyclisme, c'est clair. Allez, on va voir les différents classements généraux avec les trois premiers, c'est le podium qu'on vous propose. Et ensuite, comme d'hab, vous aurez les porteurs de maillots. Pour l'instant, ce sont les propriétaires. Voilà, les propriétaires de maillots, donc le podium du maillot jaune, toujours Adrien Guillonnet, donc en tête du team Interpro. Ensuite, Miguel Alvarez, donc deuxième du team Interrail, troisième Vadim Pronsky du team Vino Astana. Le maillot à poids, il est solidement installé sur les épaules de Jonathan Salinas de l'USL, 46 points d'avance sur le deuxième William Guzman du team Intera. Adrien Guillonnet pointe à la troisième place de ce podium donc du team Interpro. Le maillot donc du meilleur jeune est bien toujours sur les épaules du solide Vadim Pronsky du team Vino Astana. Il précède son coéquipier Evgeny Federov du team Vino Astana d'environ 4 minutes, et Menvin Jen, un jeune Guadeloupéen prometteur de l'Espoir du Sud, est troisième. Le maillot donc Fuchsia qui récompense le combiné, donc le classement temps point montagne, toujours sur donc il est propriété donc d'Adrien Guillonnet du team Interpro. Il en est le propriétaire mais il n'en sera pas le porteur, devant Miguel Alvarez Intera, donc il y a 10 points d'écart entre ces deux coureurs, et Vadim Proski est troisième, il est du team Vino Astana. Le classement donc du maillot bleu, donc le classement au point, toujours Adrien Guillonnet donc en tête devant Kieran Barolin de l'UVN, et troisième donc Jonathan Salinas de l'USL. On remarquera qu'Adrien Guillonnet a 3 maillots dans lesquels ce soir il est propriétaire. Du côté donc du maillot orange, donc qui récompense les points chauds, William Guzman est en tête, il a bien engrangé, il a été l'instigateur de l'échappée initiale aujourd'hui, il a engrangé un maximum de points, il devance Maxime Uriti du team Proimo et Pierre Almeida donc du même team. Voilà donc pour ce podium. Alors que donc le maillot vert, et bien maintenant ça y est, la combativité
C'est la propriété de Kieran Barolin. Avec sa victoire d'hier et cette deuxième place aujourd'hui, il s'installe au commandement. Il est de l'UVN. Il précède Maxime Uriti du team Pro Imo et Marcel Frozeux. Donc le vainqueur de l'étape est troisième. Il est du team Roque Palast. On verra tout à l'heure donc les porteurs de maillot au départ de cette sixième et terrible étape redoutée de tous. 126 km de souffrance entre Sainte-Anne et Saint-Claude, la carte s'affiche sur votre écran. Oui, on peut le dire, c'est vrai que c'est une étape qui s'annonce dantesque par ses difficultés et par l'intensité qui risque de se déployer tout au long de l'étape. Donc on partira de Sainte-Anne devant le centre culturel à 10h, donc on partira donc dans la direction du Moule, et là c'est vrai que d'entrée on va donc récupérer un petit peu le vent avec peut-être des bordures. Ensuite on quittera le Moule donc pour rattraper donc le premier sommet qui sera Gascon, et on enchaînera derrière avec Gascon Dubisquet, donc qui s'affichera, ce sera donc le... Ensuite on repassera donc du côté, on reviendra vers la Nationale 4 pour aller escalader aussi Grand Bois auparavant, et surtout donc la Côte de Moreau, et ensuite on reviendra donc, on quittera donc la Grande Terre pour retraverser le pont de la Gabarre, la direction de Memao, et là on vire sur la gauche pour aller escalader donc Versailles, donc qui sera escaladé, ensuite au sommet de Versailles, et bien tout de suite ce seront les Mamelles qui viendront se présenter, donc 6 500 km d'ascension qui nous emmèneront à Pointe-Noire. On rappelle que les Mamelles, donc c'est à 615 mètres d'altitude, on vire à Pointe-Noire, donc sur la côte sous le vent, pour aller vers Bouillante en escaladant Pigeon. Ensuite on redescend vers Vieux Habitants avec cette succession de toboggans qui là aussi écrémera sûrement les meilleurs. On passera bien sûr à Baïf et à Basse-Terre, et bien on vire tout à gauche, et là la montée de Saint-Claude, 6 bons kilomètres dans lequel, donc auquel du terme se jugera l'arrivée, 126 kilomètres, une arrivée prévue aux alentours de 13h-13h10. 126 kilomètres de souffrance entre Sainte-Anne et Saint-Claude, 119 rescapés sur ce 69e tour cycliste de Guadeloupe. Depuis hier, nous avons un petit bonus pour vous, c'est la caméra GoPro de Pierre Guéretel. D'autres images de la caméra GoPro de Pierre Guéretel demain à l'occasion de la sixième étape. Nous partons pour l'instant sur les porteurs de maillot, les coureurs qui seront les plus remarquables, Marc, demain dans ce sixième jour de course. On l'a dit, on le répète, terrible journée. Oui, donc à vivre bien sûr. Sur les bords des routes et sur la ligne d'arrivée, donc Adrien Guillonnet, donc est porteur du maillot jaune, donc il est du team Interpro. Jonathan Salinas, on l'a dit, solidement installé, le coureur de l'USL, donc portera le maillot à pois rouge. Ensuite Vadim Pronsky est toujours leader donc du classement du meilleur jeune, il est du team Vino Astana. Maxime Uriti donc portera le maillot donc cette fois du combiné. Et donc temps point montagne, il est du team Pro Imo. Le maillot donc bleu du classement par points sera porté par Miguel Alvarez, donc le dauphin d'Adrien Guillonnet, il est du team Intera. William Guzman, solidement installé, donc portera le maillot orange des points chauds. Et Kieran Borrelin, demain sera en vert, donc pour l'applaudir, il sera en vert. Il est bien sûr de l'UVN.
C'est donc terminé pour cette cinquième étape du Tour cycliste de Guadeloupe, 69e édition. Faites-nous le plaisir d'être là demain. Vous verrez donc cette journée de souffrance qui attend, c'est les 119 rescapés du Tour. On vous l'a dit, 126 km entre Sainte-Anne et Saint-Claude, avec une terrible ascension de 6 km en fin de parcours, après avoir déjà couru autant, dépensé autant d'énergie. 7 points montagne et surtout un point d'orgue les mamelles, donc pratiquement dans la deuxième partie de l'épreuve. Et on montera déjà Versailles qui servira de tremplin. Et la Grande Terre ne sera pas oubliée, avec quelques petits sommets, mais surtout on repasse un peu dans les grands fonds et on sait qu'on peut avoir quelques surprises. Mais la partie finale de Pointe-Noire aussi jusqu'à Saint-Claude sera terrible, parce que les toboggans de vieux habitants de Baïf et tout, ça va être très dur. Donc les coureurs sont prévenus, il y a les stratégies qui vont se mettre en place, le classement général va être complètement revisité. Bien malin qui peut dire qu'il l'emportera, parce qu'il y a beaucoup de prétendants à la victoire finale et le pronostic n'est pas si simple que ça. Eh bien, on va souhaiter une très belle soirée à nos téléspectateurs de la Guyane, à nos téléspectateurs de la Martinique, aux téléspectateurs de l'archipel guadeloupéen et aux autres téléspectateurs du monde entier qui nous regardent sur Facebook Live. Et pourquoi pas, tiens, Vladivostok, ça vous parle ? Oui, ça me parle, je n'y suis jamais allé. Moi non plus. Alors peut-être qu'un jour, on ira faire un tour là-bas, on sera ravis de découvrir ce beau pays et cette ville. Eh bien, passez une très belle fin de soirée sur notre antenne. On se retrouve demain pour la sixième étape. Allez. Terrible. Au revoir et à demain.